Bonjour Luna. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour Dégustation. une dégustation de Pop Shop. Celui-ci est à la Lime. Ensuite, nous avons ici de la Racinette, de la Root Beer. Ensuite, nous avons Gomme Balloon. Orange. Celui-là est au Turbo Fusée Rocket Blast. Ici, nous avons Barbapapa Cotton Candy. Et pour finir, à l'ananas. Sans perdre un instant, on va commencer avec Gobaloon. On va pas trop endommager le bouchon pour pouvoir refermer facilement. On va commencer par toi. C'est vraiment rose, comme vous pouvez constater. On voit, de toute façon, la bouteille est transparente, est opaque. Transparente, je veux dire. On peut le voir à travers. Oui. Attends, je vais refermer la bouteille. Bon. C'est vrai, j'ai un sale fond, mais quand même. Campagne. Campagne. Ça sent vraiment bon. Ça sent très, très de beaucoup. Oh, je sens beaucoup l'odeur du sucre, hein. Oui, ça fait penser à Baba Papa quand tu fais fondre dans de l'eau, hein? Oui ou non? Ouais. Hey Luna, est-ce que tu as vu la vidéo ce qu'un raton laveur il a essayé d'en laver dans de l'eau? Oui, il y a une vidéo qui a circulé dans laquelle il y a un raton laveur qui a essayé de laver de la barbe à papa dans de l'eau. Et le pauvre, il s'est rendu compte à toute dernière minute qu'il ne restait plus rien. L'excuse qu'il ne pouvait pas. En tant que raton laveur, il ne pouvait pas savoir que l'eau, le sucre se dissout dans l'eau. Il n'a jamais été à l'école. Ensuite, nous allons. Lui, c'était. Lui, c'était Gumballoon. Lui, c'est Gumballoon. Lui, c'est Barba Papa. Et vrai que au niveau du goût, oui, ça coûte. Ça goûtait vraiment à Gumballoon. Bon, ici, nous avons vraiment. Oh, lui, il sent vraiment la barbe à papa. Ouais. Campagne. Campagne. Ouais. Un peu moins sucré qu'un gumballoon, oui ou non? Moi, je trouve qu'il est moins. Ok. Involontaire. Tu vas essayer celui-là? Vous fusez. Va être plus facile à fermer. On n'en prendra pas une énorme quantité parce que ce n'est que pour une dégustation et non pas pour se mettre une tonne de sucre derrière la cravate. Campagne. Oh, ça fait penser vraiment aux sucettes, hein?
Oh, ça goûte vraiment le mélange des saveurs que tu peux trouver dans une sucette glacée. On retrouve vraiment toutes les. Toutes les saveurs de ce popsicle dans une seule gorgée. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. À l'orange. Du diabète en bouteille. Ah, c'est pas trop de diabète, hein? Ça peut causer de la cécité, hein? Ah, je dis pas les problèmes que ça peut occasionner, hein? C'est pas trop aussi, c'est trop malade. Oui. Ok. Campagne. C'est pour ça qu'il faut pas exagérer, hein? Oh, vraiment, moi, je suis pas vraiment fan de l'orange. Le goût d'orange, là. Chimique un peu, hein? Tu trouves pas? Ouais. Ensuite, nous avons. Limite. Limite. Wiki. Qui c'est qui ce Wiki? Aucune idée. Bon, allons-y, continuons. Campagne. Oh, attention, il est sûr. Oh. Pardon. Il n'y a pas de problème. À force de boire du liquide, ça finit par sortir l'air, hein? Ça goûte moins intense que le jus de lime. Sauf pas? Je vais la déconner. Vas-y, voyage. C'est cute. T'as trop d'afflaté. C'est cute, connais. Connais ce truc. T'es une très bonne fille. Oui, t'es très, très magnifique. Le poilu. C'est un lapin? Tu t'entends à quoi? C'est qu'elle est curieuse. Mmh. Est curieuse. Ouais, ben oui. Hein? Quelqu'un te met quelque chose devant toi, tu veux savoir ce que c'est, hein, avant? Mmh. Pas vraiment fan, tout comme l'orange. Mais vraiment, j'ai déjà goûté des choses à la lime qui étaient vraiment. Et pas celui-ci. Et ici, nous avons de la racinette. Et après ça, on pourra rôtir pendant un bon moment. Et après, un bon festival de roues. Hein? Un concours de roues après? On va pouvoir savoir si qui. Ok. Bon, je sais de refermer après. Est-ce que tu en parles? Ouh, ça sent la racinette. Un petit moment, je vous reviens bientôt, ok? Il y a eu un petit problème technique, il fallait que je m'occupe de ce problème. Nous allons finir ceci avec... Ah,
Ah non, non, ah non, non, ah non, non, pas. On ne sait pas. On va faire un petit peu. Idine. Mais ça serait bien de faire un concours d'euros, hein, pour savoir c'est qui. Hein? Qu'est-ce que ça pense que. Non, c'est vrai. Si je fais un concours avec Connie, c'est moi qui gagne. Juste pour vous. Petit segment, hors sujet, OK? Les lapins ne peuvent pas roter. Donc, ne peuvent pas vomir. Mais, c'est comme souvent dit. Et par contre, un lapin, ça peut péter, hein? Seulement pète. Oui, et je peux vous dire que le pète d'un lapin, ça peut être épouvantable. J'en ai déjà eu, j'ai déjà fait les frais. J'étais en train de flatter Bonnie et il y a eu une odeur de carotte périmée depuis peut-être, périmée depuis 20 ans. Bonne vingtaine d'années. Carotte très périmée, c'était dégueulasse. OK, bon. Campagne. Campagne. On retourne. L'ananas, c'est pas pire. J'ai l'impression de manger de l'ananas. Mais c'est pas ce que je préfère. Donc, on va faire un récapitulatif. On va faire un petit palmarès, OK? Parfois, les mots ne veulent pas sortir. Donc, c'est quoi ton pire au meilleur? C'est quoi ton pire? Celui que tu détestes, que tu n'aimes pas. Celui que tu aimes le moins, beaucoup moins. Aucun. OK, c'est tout égal. OK, t'es-tu en train de me dire que tout est égal? Ouais. OK, celui que j'aime moins, c'est celui-là. Ensuite, suivi de orange. Celui de lime. Ensuite, nous avons... Oh, attends, ça c'est gomme ballon. Bon. OK. Celui-là. Ananas. Orange. Lime. Nous avons gomme ballon. Les popsicles. Ici. Ensuite, barbe à papa. Et pour finir, racinette. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et toi, Luna, le mot de la fin. Scoulou, maman!